Pour ce tuto, il te faut une scie, des bras, une tête. Tu n'as pas tout ça. Je t'expliquerai quand même à la fin de cette vidéo comment tu pourras contourner ce manque. Si tu n'as pas de scie, pas de souci, tu peux utiliser un couteau à pain. C'est un peu long, mais ça marche. Sinon, demande à ton voisin. Tout le monde a une scie à portée de main. Si tu n'as pas de bras, ce n'est pas grave. Demande à quelqu'un qui en a deux, si possible. Dis-lui bien que c'est pour son bien. Si tu n'as pas de tête, ce n'est pas bien grave. Je peux t'offrir le mien, l'objet en bois, pas ma tête.